Nous voulons construire une société radicalement plus juste, plus démocratique et plus durable, dans laquelle la richesse sera partagée entre tous et toutes. Ces quelques mots sont inscrits sur la couverture d'un ouvrage intitulé « L'économie au service du plus grand nombre ». Paru en Grande-Bretagne il y a quelques mois, ce livre est une bonne nouvelle pour la gauche européenne. John McDonnell est le chancelier de l'échiquier du cabinet fantôme britannique. C'est lui qui dirigera la politique économique si le Labour accède au pouvoir au Royaume-Uni. C'est sous sa responsabilité que vient de paraître l'économie au service du plus grand nombre. McDonnell est un marxiste assumé. Dans son introduction, il pose le contexte. L'élection de Jeremy Corbyn à la tête du parti travailliste en septembre 2015 a ouvert une période de bouleversement politique. La perspective d'un gouvernement travailliste élu sur la base d'un programme de transformation de la société est désormais toute proche. Présenter les nouvelles idées qui guideront cette transformation sociale, c'est précisément le propos du livre « L'économie au service du plus grand nombre ». Cet ouvrage démontre que la gauche a repris l'offensive idéologique sur les questions essentielles : la propriété, la souveraineté et l'égalité. Commençons par la question de la propriété. Le capitalisme repose sur la propriété privée des moyens de production. Et cette forme de propriété s'est considérablement renforcée au cours des 40 dernières années du fait d'une privatisation continue de la vie économique. Recul des services publics, vente des entreprises nationales, les fléaux qui résultent de cette désocialisation sont bien documentés. Hausse des inégalités, insécurité économique, essor des marchés financiers, faiblesse de l'investissement, exacerbation des disparités régionales, dégradation des conditions de travail, etc. L'équipe McDonnell veut renverser ce mouvement de privatisation en actionnant trois leviers. Premier levier, développer le secteur coopératif. Second levier, élargir le contrôle direct et indirect des collectivités locales sur l'activité économique. Et troisième levier, nationaliser les secteurs stratégiques. L'enjeu de cette révolution démocratique de la propriété est de réencastrer la vie économique dans les besoins des communautés. Il s'agit en même temps de retrouver les moyens d'une capacité d'action collective stratégique afin d'opérer un tournant global en faveur de la transition écologique. La seconde idée développée dans le livre concerne la souveraineté. À travers la notion de souveraineté technologique, le livre porte haut de nouveaux objectifs face aux plateformes numériques. Celles-ci sont à la fois pourvoyeuses d'un bien public indispensable à la vie sociale de notre époque, pas facile de se passer de Google, n'est-ce pas ? Et des monopoles naturels. Car ces plateformes, plus elles sont grandes, plus elles sont efficaces. Pensez à la puissance phénoménale d'Amazon, par exemple. Bien public et monopole naturel, ces deux caractéristiques sont des arguments décisifs pour encadrer sévèrement l'activité des firmes ou les collectiviser. Le problème, bien sûr, est que confier aux États nos données personnelles n'est pas très rassurant. Big Brother n'est pas loin. La question est difficile, mais c'est bien le défi qui nous est lancé. Inventer des formes de socialisation à l'âge du numérique qui ne soient pas des menaces à notre droit à la vie privée. Le livre lance toute une série de pistes sur ce thème. La troisième idée clé est celle d'un bouquet universel de services. L'objectif est de construire un véritable droit à l'existence en nature. Éducation, santé, transport, communication, logement, énergie, petite enfance, troisième et quatrième âge. Dans tous ces domaines, on connaît les besoins indispensables pour donner à chacun une vie décente. Permettre à tous de disposer gratuitement de ce qui est nécessaire constituerait un pas de géant vers une société d'égalité. Pour atteindre un tel objectif, un programme d'investissement public d'ampleur doit être planifié. Il s'agit d'investir dans l'économie violette, celle du soin, traditionnellement dévolue aux femmes, et l'économie verte, celle de la transition écologique. Ces investissements seraient vecteurs d'une transformation substantielle de la société, par leurs effets sur les rapports entre les hommes et les femmes, la création d'emplois et le fait de redonner du sens à l'engagement professionnel au service du bien commun. Propriété, souveraineté, égalité. Pour chacun de ces thèmes, l'économie pour le plus grand nombre détaille des propositions et discute de leur faisabilité. Tout peut et doit être discuté. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces questions, celles de la construction d'un socialisme de notre temps, sont de retour sur le devant de la scène. Et cela, dans le pays de Tony Blair, celui où la gauche avait été le plus loin dans le reniement de ses idéaux. C'est un beau pied de nez et la preuve que l'idéologie néolibérale est à bout de souffle.